Zéro faute. Zéro faute ou la joie de parler la langue de Molière. Zéro faute. Bonjour, je m'appelle Oulémini, en classe de CM1B à l'école primaire Racine School. Merci beaucoup, ma grande Nini, l'école primaire Racine School qui accueille votre rubrique Zéro Faute pour 15 jours au cœur de la banlieue dakaroise, au cœur de l'excellence. Allez-y, ma grande, pour la règle du jour. Une règle avec trois mots. Kadi, kadi, kadi. Trois mots tous au masculin avec des sens différents. Kadi, C-A-D-I, veut dire magistrat musulman qui remplit des fonctions civiles, judiciaires et religieuses. Kadi, C-A-D-I-E, c'est la personne qui porte le sac du joueur de golf, mais lui sert aussi de conseiller et de soutien moral. Avec cette définition, l'orthographe kadi, C-A-D-I-Y, est aussi admise. Mais Kadi, C-A-D-I-E, est plus fréquent. Mais attention, Kadi, C-A-D-I-E, peut aussi avoir un autre sens. Oui, et il est toujours au masculin et veut dire chariot de supermarché. Kadi, C-A-D-I-E, est toujours écrit avec une majuscule. C'est un nom déposé. Merci beaucoup, ma grande. Alors, retenons bien pour les trois mots. Kadi. Trois mots tous au masculin avec des sens différents. Kadi, C-A-D-I, veut dire magistrat musulman qui remplit des fonctions civiles, judiciaires et religieuses. Kadi, C-A-D-D-I-E, c'est la personne qui porte le sac du joueur de golf, mais lui sert aussi de conseiller et le soutien moral. Attention, Kadi, C-A-D-D-I-E, peut aussi dire chariot de supermarché et il est toujours écrit avec une majuscule. Oulé, Nini, qui dit Nini, dit Saint-Louis, dit Abdoulaye Sadji. Merci beaucoup, ma grande, pour cette élégance et cette éloquence dans la voix. Machallah. Merci beaucoup. Merci, c'était Zéro Faute, le plaisir de la langue. Zéro Faute, le plaisir de la langue.